Oui, tu veux dire, quand Rachel a rencontré Jacob, tu poses la question, comment est-ce qu'elle s'est préparée pour entrer dans ce mariage? C'était juste dans le passé. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes le comportement des filles, des jeunes filles, celle d'avant, c'est différent. Bien sûr que c'est différent. Après le moment de non, c'est devenu une chose vraiment... C'est très différent. Avant, c'est du on sent plus pareil, après tu as se marié, ok, on envoie directement en mariage. Mais de nos jours, ce n'est plus comme ça. Je me demande comment est-ce qu'on a perdu cette valeur-là. Pourquoi ce n'est plus... Il y a la transformation de la société. Il y a la transformation de la société qui a... Voilà. Et ça touche un aspect. En réalité, le dernier aspect dont je voulais qu'on parle, c'est le travail. Le travail, quand je parle du travail, c'est non seulement le travail séculier, donc le travail dans le monde, non, comme infirmier, médecin, c'est pas ingénieur, tout ça. Maintenant, le travail de la femme dans une maison. Le travail de la femme dans une maison. Ça, c'est vrai qu'il peut y avoir d'autres aspects, mais ces aspects, ce sont les quatre aspects fondamentaux qui influencent le devenir d'une femme dans un foyer. L'enseignement sur l'engagement, la sagesse, la soumission et le travail. Ça, ce sont des piliers, les quatre piliers qui fondent, qui peuvent faire ou défaire le mariage. Ces quatre piliers qui peuvent faire ou défaire le mariage, c'est très important. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est que avant qu'une fille ne se marie, avant, je veux dire, à leur époque, que ce soit les temps bibliques, c'est-à-dire les temps d'Abraham, Isaac, Jacob, etc., ou bien même au temps, on parle entièrement 50 ans avant, 60 ans, nos parents, ce qu'ils ont vécu, les choses que nos grands-parents plutôt ont vécu. Il n'y avait pas une école où on disait que bon, voici l'école du mariage. Eux, ils n'avaient même pas. Aujourd'hui, il y a les séminaires. On dit que séminaire sur le mariage, enseignement sur le mariage. Est-ce qu'ils avaient ça? Eux, avant même que l'église arrive, ça fait presque 100 ans comme ça que l'église est chez nous. Nos ancêtres n'ont pas connu l'église, mais ils avaient de très bons mariages. C'est pour dire que c'est une décroissance, une destruction des valeurs morales qui a entraîné. Parce que malgré l'existence des enseignements, des séminaires, des conférences, ça va de mal en pire. Donc ça montre que c'est la société en fait. Parce que parlant de Rachel, de Rebecca, parlant de leur même Sarah, etc. Ce sont des personnes qui étaient préparées au niveau familial à se marier. Et là, ça nous amène donc dans cet aspect du travail de la femme dans la maison. Parce qu'avant, c'était beaucoup plus l'aspect-là qu'on regardait. Oui. C'est-à-dire, quand une femme dans une maison, quand une femme est dans une maison, qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Rebecca est une bonne femme, certainement parce qu'elle a eu une bonne mère. Sarah, Rachel, pareil. C'est-à-dire, une femme, quand tu voyais, et d'ailleurs, on disait que tel père, tel fils, mais quand tu vois telle mère, tu vois telle fille. Quand on voit une fille se comporter, on dit que, mais est-ce que la mère de la fille s'est même au courant que sa fille est comme ça? Encore, ça court dans les villages. Quand on voit une fille faire quelque chose qui ne va pas, c'est pas souvent à son père qu'on dit. Non. C'est à sa mère. Oui. Quand même on aperçoit une fille avec un garçon faire les choses, cacher un peu un genre, les femmes du village vont courir, vont parler dire à ton mari, à ton père plutôt, vont aller dire à la mère, est-ce que tu sais que ta fille fait telle chose? Est-ce que, pourquoi? Parce que c'est l'enseignement des enfants, c'est quelque chose que c'est la femme, la maman qui devait inculquer cela. Et donc, ces femmes de valeur, la Bible les appelle les saintes femmes, qui non seulement sont caractérisées dans le livre de Pierre par leur soumission, mais elles avaient aussi ce travail, cette façon de se comporter dans un foyer qui fait qu'elles maintiennent leur foyer vivant. L'éducation des enfants, pouvoir veiller. Moi, je peux dire presque sans
risque de me tromper. Et si ma mère n'était pas le Jacques, elle tient à l'éducation comme ça. Parce qu'une fois que le père a payé le cahier, payé ceci, payé l'école, il n'a plus beaucoup de temps. Hein. Ma mère, je n'ai pas fait la maternelle. Mais je peux te dire, j'ai fait la maternelle, je n'ai pas fait la maternelle, mais j'ai fait la maternelle à la maison. Je suis entré directement à la CIL, en sachant lire, et écrire et compter. J'ai fait avec ma mère. Ma mère avait le box, elle avait un truc comme ça, un peu comme les kiosques de Callbox là, où elle vendait un peu de tout. Je dis, je faisais l'école au pied de ma mère comme ça. Jusqu'à quand j'ai eu l'âge d'aller à l'école, 5 ans, ma mère, on m'a mis à la CIL. Je ne suis pas parti à une école maternelle. Et je te dis, je lisais, j'écrivais et je comptais. En entrant à la CIL comme ça, les choses, beaucoup de choses qu'on devait faire à la CIL, je connaissais à faire ça. Parce que ma mère était méthodique. Elle ne faisait rien. Donc, quand elle a un petit temps, on apprend. Mes oncles même qui venaient à la maison étaient dépassés. Les choses que je faisais étant à la maison, sans partir à l'école. Ça, c'est vraiment au pied de ma mère. Et quand j'ai commencé à aller à l'école, la seule chose que mes enseignants disaient à ma mère, c'est que j'ai le niveau. La seule chose qui me manque, c'est que je dois apprendre à écrire. Je dois apprendre à faire rapidement. Parce que je n'avais pas la rapidité. Je faisais tout lentement, doucement. Mais connaître, je n'ai jamais eu un problème pour ça. Mais ça, c'est pourquoi? Parce que ma mère était du genre, étant encore petit, elle m'avait discipliné. Les gens m'appelaient dans mon quartier. Ils disent que j'avais une discipline. Mamma mia, dans mon quartier, les gens m'appelaient le blanc. Imagine-toi que étant enfant, il m'asseyait pour le sol. Donc il part chez toi, donc il part même chez les voisins comme ça. Tous les enfants sont assis au sol, on dit qu'il soit au sol, il dit qu'il ne veut pas me salir. Mais étant petit, hein, parce que petit, j'étais encore petit. Donc ma mère m'avait inculqué les valeurs que les tantes, les oncles, même les voisins au quartier Wander, mais la femme, s'il a fait comment avec son enfant. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est l'éducation. C'est ça, en fait. C'est ce que le parent, c'est la plus belle chose qu'une femme puisse inculquer à son enfant. Ces valeurs-là, l'éducation. Ce qui fait que j'ai grandi avec une certaine façon de faire. C'est difficile, tu vois. C'est difficile. C'était tellement difficile pour moi que tu me vois une femme, une autre femme comme ma mère qui me parle et je n'ai pas fait parce que ma mère m'avait dit, et il me rappelle toujours de ça, ma mère m'avait dit que quand une femme t'envoie, quand une mère t'envoie, tu pars parce que tu es... Et quand je repense à toutes ces choses, je me dis que mais ça, ce sont des choses qui ont disparu. Je ne prends que l'exemple sur moi pour voir déjà aujourd'hui. Ce sont même les mères qui disent que elle t'envoie pourquoi? Tu es son enfant. Il y a les mères qui demandent ça à leurs enfants. Comment elle t'envoie? Elle t'envoie pourquoi? Est-ce que tu es son enfant? C'est terrible. Les choses pareilles. Comment une femme peut demander à son enfant pourquoi elle t'a envoyé? Ma mère, et quand je pense à tout ça, je dis que je rends grâce à Dieu pour ma mère. Si ma mère n'avait pas existé, mais c'est clair que l'école là d'abord, ça allait être zéro parce que tout se commence par les bases à l'école primaire, le suivi, la discipline. C'est pas que je ne jouais pas, au contraire, j'avais les heures de jeu. Je rentrais de l'école comme ça. Ma mère me dit que bon, il est telle heure, peut-être 15 heures, pas jouer, tu pars, tu joues. Elle dit que tu vas revenir vers 17 heures. Elle dit que d'être dressé comme ça. Et quand je pense à ça, je me dis que, imagine donc que quand tu es un parent pareil, tu as plus de possibilités de réussir. Si tu as un parent qui te suit de cette façon, vraiment, pour que tu réussisses, c'est facile. Contrairement, si tu as maintenant un parent, moi j'ai pris mon exemple, je suis un garçon. Pareil que si c'était une fille qui était chez nous, parce que moi je suis le premier né de mes parents. Toutes les filles qui sont passées chez nous, qui ne sont pas les enfants de ma mère, mais le comportement, ce qu'elles ont gardé, parce que ça c'est la grâce que le Seigneur a donné à ma mère, le suivi des enfants. Même ma mère, avec même son âge aujourd'hui, mes petits neveux qui sont à la maison, elle ne les laisse pas à l'école. Elle aime tenir ferme sur l'enseignement que toi, tu dois étudier. Toujours veiller sur les devoirs. Et ça, ce sont les petites choses. Quand donc un enfant a grandi dans un environnement où on lui apprend les valeurs, le respect,
la soumission, la politesse, le calme, la propreté. Mais si que tu sois un garçon ou une fille, ces valeurs vont te bâtir. Ça va faire que tu auras une personnalité particulière. Mais le jour où le mariage arrive, tu es prêt pour entrer. Maintenant, une fille qui a grandi dans cet environnement, elle attend seulement l'âge où elle pourra aller à la cuisine. Parce que quand elle va aller à la cuisine, elle va apprendre à cuisiner, elle va apprendre à faire telle mère, et ainsi de suite. Après, on va aller apprendre que voici comment on entretient une maison, voici comment on entretient un foyer, ton mari, si ton mari fait ceci. C'est fini. Ces valeurs, on commence à les avoir très, très tôt. Maintenant, la transformation de nos sociétés a fait que les enfants sont confiés à la télé, à la bonne. Les bonnes qui sont très souvent dans nos familles, dans les familles africaines. Le boy ou la bonne, les servants de maison, l'une des caractéristiques communes que tu vas trouver à cette personne, c'est le manque d'éducation. C'est-à-dire, sur 100 personnes que tu vas trouver majeures d'hommes et tout ça, les bonnes, tu vas voir que 90%, c'est parce que le niveau éducatif n'a pas permis qu'ils puissent avoir un travail meilleur. Ça veut dire que quand tu confies, je prends cet exemple pour que tu vois, en fait, quel est le lien. Ça veut dire que quand tu confies l'éducation de ton enfant à une personne pareille, en réalité, tu confies ton enfant à quelqu'un qui est venu faire ce travail-là parce qu'il ne pouvait pas faire autre chose. Parce que son éducation, même à lui, mais il ne peut pas faire, il peut pas suivre les devoirs de ton enfant. Il ne peut pas. Il ne peut être que là physiquement pour être une personne adulte dans l'entourage. Mais il ne peut pas jouer le rôle du parent. Il ne peut pas. Ça fait qu'il y a un problème déjà à ce niveau. Parce qu'il y a des parents qui prennent pour prétexte qu'il y a le boy. Il y a une autre catégorie qui prennent pour prétexte qu'il y a les répétiteurs. Or, le répétiteur ne peut pas jouer le rôle d'éducation de l'enfant. Parce qu'il y a des valeurs que le répétiteur ne veut pas inculquer à ton enfant. Il y a des choses que... Il y a des gens qui pensent que parce que mon enfant a un boy ou une bonne à la maison à sa disposition, il a un répétiteur, il aura une bonne éducation. C'est faux. Tu vas voir des petits-enfants dans une maison qui s'insultent, qui utilisent les gros mots. Et si, mais j'ai entendu des enfants dire des choses, j'étais choqué. Des choses que c'est même quand j'étais au lycée que j'ai même appris les mots. Les petits-enfants comme ça. Je dis que Seigneur, c'est quoi cette histoire? Les petits-enfants. Il dit les choses scandaleuses, comme l'apôtre Paul dit que c'est des choses qui ne font même pas dire avec la bouche. Dis que mince, vraiment. Les petits-enfants de 5 ans, 6 ans. Tu t'imagines, Gaël, si tu as un enfant, si tu ne veilles pas sur tes enfants et que tu les laisses. Oh, la Bible déclare que les femmes, je vais lire, c'est l'enseignement de l'apôtre Paul. Il parlait des femmes âgées, mais ça concerne naturellement toutes les femmes. Voilà. Il parle, c'est dans la lettre de Paul. La lettre de Paul à Tite. Il dit que... Et ça nous montre la valeur. Qu'est-ce qu'une femme doit faire par rapport à ses enfants dans une maison? Dans la lettre de Paul à Tite. Verset 3, chapitre 2, verset 3. Dit que les femmes âgées doivent aussi, parce que dans les autres lettres de Paul, etc., on a déjà parlé des vêtements de la femme en général. Donc, il dit que les femmes âgées ne sont pas exclues. Voilà. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. L'extérieur qui convient à la sainteté. Ni n'être ni médisante,
ni à donner au vin les femmes qui boivent du sol. C'est terrible. Qu'elles doivent donner des bonnes instructions. Voilà ce que la femme doit faire. Des bonnes instructions. Les valeurs s'acquièrent quand on est jeune, quand on est petit. Tu es un enfant, tu as tes enfants qui bagarrent. Et tu ne peux pas dire qu'on ne frappe pas sa soeur, on ne fait pas... Il y a les parents qui s'en foutent, il y a les parents qui... ils vous mettent là, il a mis manga ou bien tiji, quoi là, il vous a laissé là-bas. Il y a des parents même d'ailleurs qui mettent ça comme ça pour partir faire les choses, vraiment... Battez-vous là-bas avec la télé. Après, on entend seulement. Oh, on a cassé le bas de quelqu'un. On a fait. Tu peux voir, c'est mort. Parce que les parents pensent que ça, c'est le raccourci à prendre. Oh, c'est un danger, c'est un piège. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Dans le but, regarde, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. À être retenue, chaste, occupée aux soins domestiques. Bonne, soumise à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. C'est formidable ça. Voici le cadre. C'est-à-dire, si on pouvait faire le schéma d'une femme, on met un encadre, on met au mur. Voici donc ça ici, dans le livre de Tite. Si on détaille chacune des actions ici, ça peut faire un enseignement. C'est-à-dire, le travail que Dieu attend d'une femme dans le mariage, c'est détaillé dans ce texte, dans ce court texte. La sainteté, médisance, le congossa, que certaines femmes font. Il y a des femmes qui elles ne peuvent pas rester à la maison seules. Elles doivent tout partir chez la voisine pour parler. La médisance, le congossa, inventer les choses, connaître le A1 du quartier. Ni à donner au vin. À donner au vin. Voilà. Donner les bonnes instructions aux jeunes. Leur apprendre à aimer leur mari, aimer leurs enfants. Elles doivent être retenues. Quand on dit retenue, quelqu'un peut te provoquer comme ça. Tu te retiens. Donc, tu ne cours pas simplement pour répondre à toutes les querelles, à toutes les situations. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a piétiné que tu vas aussi le piétiner. Que tu vas voir qui je suis. On dit que tu connais même comment je suis Bassa. Est-ce que tu sais que je suis Bassa? Tu connais que je suis étonné. Nous, on a 5 minutes de folie. Elle attache son on appelle ça comment? Elle attache son foulard si c'est rien comme ça là, que tchouk tchouk, que tu es mort. C'est les bagarres. Et les femmes qui font même ça à leur mari. Comment? Moi, ici, une femme étonne. Elle attache son foulard. Vous, la bagarre commence. On dit que quoi? Chaste. Chaste, la chasteté. Occupée aux soins domestiques. Il y a des femmes qui sont occupées à autre chose que les novelas. Novelas TV. Au lieu d'être occupées aux soins domestiques, elles sont occupées à Novelas TV. Mais tu ne peux pas réussir dans le mariage. Quand c'est ainsi, tu ne peux pas réussir dans le mariage. Bonne, soumise à leur mari, ça ne manque pas. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Ce n'est pas parce qu'une femme a un métier, a un travail, a une profession, que ces choses-ci sont devenues accessoires et qu'elle peut s'en passer et qu'elle peut faire du n'importe quoi et qu'elle peut dire du n'importe quoi. Elle peut faire comme elle veut. Non. L'existence d'un métier ne fais pas de toi une femme indépendante, une rombière, comme certains gens disent, qui vit seule. Non! Un métier ne doit pas être un piège dans la vie d'une femme. Ça ne doit jamais amener la femme à se comparer à son mari. Et beaucoup de femmes touchent, qui touchent plus que leur mari,
depuis le jour qu'elles ont constaté, la soumission est morte. Donc, à l'instant où elle a constaté qu'elle touchait plus que son mari, la soumission est décédée le jour-là. Elle a fait l'enterrement de ça. Enterrement de la soumission. Pourquoi? Parce que, mon mari, je ne touche plus que lui. Celui-ci veut me parler de quoi? Il me raconte quoi même? Qu'est-ce qu'il me dit? Mais c'est un blagueur. Il me parle de quoi? Je ne touche plus que lui. Il y a des femmes, pour peu qu'elles ont un peu plus d'argent que leur mari, elles manquent de respect. Dieu n'a pas dit de te soumettre à ton mari qui est plus riche, bien ton mari qui a plus de pouvoir. Non, il a dit de te soumettre parce que c'est ton mari, parce que tu as voulu que ce soit ton chef. Tu dois te soumettre à lui. Dieu a établi, et c'est une règle qui ne dépend pas de notre statut social. Ça veut dire, même si tu es la reine d'Angleterre, tu as un chef. Qu'est-ce que c'est ton mari? C'est lui qui était parti chez tes parents pour t'épouser. Mais comme tu es la reine d'Angleterre, tu es la reine d'Angleterre pour l'Angleterre, mais pour lui, tu es son épouse qu'il est parti chercher chez ses parents. C'est deux choses bien différentes. Donc, même si je suis magistrat, président du tribunal, tu es quoi, tu es ça dans le monde. Ça n'entre pas dans le foyer. Ça n'entre pas dans la maison, en fait. Le travail séculier ne doit pas affecter la famille. Ça ne doit jamais affecter la famille. Qu'une femme commence à dire, vraiment, j'ai les gardes-corps, tu t'amuses, je vais... Et c'est comme ça une femme a fait que ses gardes de corps ont frappé son mari. C'est triste ça. C'est terrible. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Même eux aussi, ces gardes de corps, eux-mêmes, ils ont le courage de taper le mari de leur boss. C'est un travail. Ici, c'est que la bosse dit. C'est qu'il y a des personnes qui n'ont aucune considération. Et ça, ça c'est des choses qui sont terribles dans le mariage. Quand une femme rate ce qu'on appelle le travail de la femme dans le mariage, ça c'est le véritable travail de la femme dans le mariage, pouvoir manager tout ça. Une femme, il y a une image qui a circulé sur Internet où on voit une femme avec plusieurs mains comme ça. Je ne sais pas si tu as vu cette image-là. Il y a une image-là sur Facebook. Il y a une femme qui a un enfant au dos. Elle a une main qui est en train de souffler le feu. Une main qui est en train de suer. Une main qui travaille dans une famille, oui. Voilà. Pour des quimper, les tâches de la les femme. Les tâches de la femme. Le juge, normalement, de la fête des mères. Voilà une image qui est marquante, véritablement. Voilà une image qui est marquante. Une femme qui est vertueuse, elle fait le bonheur de son mari. Tout ce que cette femme peut demander, son mari est capable de lui donner. Parce qu'elle comble son mari. Mais quand une femme devient plutôt un piège, un danger, son mari dit que cette histoire-là, est-ce que ça va? La Bible n'est pourtant pas, parce que contrairement à ce que certaines personnes pensent, il y a un enseignement que certains véhiculent et tout, il y a des gens qui pensent que Dieu est contre le fait que la femme travaille. Non. Le fait que la femme travaille n'est pas un problème pour Dieu. C'est lorsque le travail devient un obstacle pour la femme que ça peut être un problème. Et à ce moment, son mari peut maintenant se plaindre et peut demander qu'elle ne travaille plus. Ça veut dire que ce n'est pas le travail le problème, mais c'est le comportement de la femme lorsqu'elle travaille. Tu comprends la différence qui pose problème. Parce que la femme biblique, la femme vertueuse, elle est caractérisée par une chose, le travail. Et le travail que la femme abat dans une maison est déjà important, très important, comparé même à celui qu'on fait dehors. Ce que tu fais dans une maison, s'occuper d'une maison, c'est plus difficile même que de faire un métier à l'extérieur. C'est bien plus difficile. Si on devait payer une femme qui travaille dans une maison, mais quel salaire on allait lui donner? Quelqu'un qui travaille 24 heures sur 24. Parce que ça, c'est 24 heures sur 24. Tu te réveilles très tôt, tu dors très tard et tout. T'occuper d'une maison, c'est difficile. Malheureusement, beaucoup de personnes ne prennent pas cela en considération. Ils ne comprennent pas. On va lire, pour finir, dans le livre des Proverbes.
ce que c'est qu'une femme vertueuse. On ne peut pas en parler sans Proverbe, chapitre. Ah, Proverbe chapitre, c'est quoi, 30? Oh. Proverbe, nous sommes dans le niveau des proverbes. Le Proverbe chapitre 31, peut-être. Proverbe chapitre 31, la tête qui chauffe déjà. Chapitre 31 du Proverbe, on va lire à partir du verset 10. Et on va lire jusqu'à la fin. Proverbe chapitre 31, à partir du verset 10. Mm-hmm. Avant de lire Proverbe chapitre 31, je vais lire un verset que j'aime beaucoup. Proverbe chapitre 19, verset 14. Verset 14. La Bible dit: on peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Donc ton père peut te donner un compte bancaire, il peut te donner les maisons, il peut te donner, mais ton père ne peut jamais te donner une femme qui est intelligente. C'est Dieu qui peut donner. Quand tu épouses une femme intelligente, quand tu épouses, parfois, si ça manque, Seigneur. Non, c'est vrai. Il y a les femmes, quand tu vois comment une femme s'occupe de toi, comment une femme s'occupe d'une maison, comment elle est soumise, comment elle est calme et tout, tu dis que oh, vraiment, Seigneur, je te rends grâce parce que je suis un homme béni. Ça, c'est la plus belle chose qui puisse arriver à un homme. Épouser une bonne femme. Proverbe 31, je lis à partir du verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Tant que je lise même dans la version. Heureux celui qui trouve une femme vaillante. Ça, c'est pour la version Semeur. Elle a bien plus de prix que des perles précieuses. Son mari a confiance en elle, la confiance. Elle ne manquera pas de bien dans sa maison. Tous les jours de sa vie, elle lui fait du bien et non du mal. Il y a maintenant les gens qui, dans leur mariage, ils sont devenus les ennemis. Le mari fait du mal à la femme fait du mal à son mari. C'est quoi ce mariage? La Bible dit qu'une femme vertueuse, une femme vaillante, elle ne fait pas du mal à son mari. Elle lui fait plutôt du bien. Le mari est heureux d'avoir cette femme à ses côtés. Elle lui fera du bien et non du mal. Faire du bien à quelqu'un. Elle cherche avec soin du lin et de la laine. Et elle les travaille de ses mains diligentes. Donc, elle travaille de ses mains diligentes. Comme un vaisseau marchand, elle ramène des vivres de loin en sa demeure. Waouh! Quand il fait nuit encore, elle est déjà debout. Préparant pour sa maisonnée ce qu'il faut pour manger, et elle distribue les tâches à toutes ses servantes. Quand il y a des femmes qui... Elle se lève le matin. Elle a disparu. Oui, elle dit ok, toi tu fais. Donc elle veut là que tu vas organiser les tâches et tout le monde. Zéro organisation. Mais faites comme vous voulez. Elle veut seulement. Que gérer. En tout cas, on va préparer telle chose. Oui, non, elle ne sait pas. Il y a des femmes qui ne savent pas où se trouvent. C'est-à-dire, si tu lui demandes telle chose, elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Oui, elle ne sait pas. Les habits des enfants pour porter. Pour nous, elle ne sait pas. Elle dit que.
tati ou bien, je sais pas, quoi, apporte-moi telle chose. L'enfant devient dépendant de la nounou. C'est terrible. Il y a même d'abord des enfants qui appellent les nounis, maman. C'est incroyable. C'est-à-dire, elle ne connaît pas. Elle dit que, mais il y a telle chose dans cette maison, comme si ce n'était pas sa maison. Vous avez le machin ici, vous avez... Il y a des gens qui posent des questions dans leur propre maison. Et ils croient que c'est le bonheur, c'est la richesse. Ça, c'est pas la richesse, c'est la pauvreté, ça. Non, mais sérieux. C'est terrible, quoi. C'est que dans ta propre maison, tu es comme un étranger. Que non, il y a des choses dans la maison, si. On dit qu'un étranger peut dire que, attends, c'est la femme, si. Elle est même de cette maison. La femme vertueuse, la femme vertueuse, la femme qui est vaillante, la femme qui est sage, elle connaît sa maison. Elle dit que toi, tu fais telle chose. Tu mets à quel endroit? Toi, tu fais telle chose. Toi, tu fais comme ça. Toi, tu fais. Même le jour du marché, c'est elle qui fait même la liste du marché. Quand elle achète telle chose, tu vas mettre. Et au frigo, elle sait que c'est posé à tel endroit. Donc, c'est pas que. Même si elle est bonne, même si c'est pas elle qui fait, mais oui, c'est elle qui donne les ordres. Oui, elle coordonne. Elle coordonne tout. C'est ça. C'est ça. Et c'est très important parce que quand tu grandis sur le plan social, ouh, les pièges, c'est que tu tombes. Ah, tu tombes dans le piège. Oui. On dit qu'elle pense à un champ. Alors, elle achète du fruit de son travail, elle plante une vigne. Avec pleine d'énergie, elle se met à l'œuvre et active ses bras. Elle constate que ses affaires marchent bien. Jusque tard dans la nuit, sa lampe est allumée. Ses mains filent la laine et ses doigts tissent des vêtements. Elle ouvre largement la main à l'indigent. Waouh! Étend les bras aux pauvres. Amen. Pour elle et tous les siens, peu importe la neige, car toute sa famille est revêtue de doubles vêtements. Donc elle veille sur ses enfants, sur les vêtements. On a dit elle et tous les siens. Ici on ne parle pas de l'homme, on parle de la femme. Donc si ton mari meurt de froid, c'est qu'il y a un problème. Si tes enfants meurent de froid, il y a un problème. Elle et tous les siens. On dit que même s'il y a la neige, il n'y a pas de stress parce que ses enfants sont au chaud, même son mari est au chaud. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est connu aux portes de la ville car il siège avec les responsables du pays. Elle tisse elle-même des habits et les vend. Elle fait des ceintures qu'elle cède aux marchands. La force et la splendeur lui servent de parure. Donc sa beauté, c'est sa force et sa splendeur. C'est avec le sourire qu'elle envisage l'avenir. C'est merveilleux ça. Ses paroles sont sages. La sagesse dont on parlait tout à l'heure. Pas que elle est seulement là pour gâter tout. Ses paroles sont sages. Elle dispense avec bonté l'enseignement. Elle veille à la bonne marche de sa maison et ne se nourrit pas du pain de la paresse. Ses enfants plutôt, dès leur lever, la disent bienheureuse et son mari aussi fait son éloge. Quand tu as une femme que tu t'aimes, tu sais que non, maman, j'ai épousé une bonne femme. Non, mais quand un homme est, je t'assure que si tu combles ton mari, si tu réussis à combler ton mari, toi-même tu vas voir déjà des personnes qui vont devenir. C'est quelque chose qu'on ne peut pas dire à quelqu'un. Tu vas constater seulement que non, mon mari est comblé. Tu ne peux pas être une femme malheureuse quand ton mari est comblé. C'est impossible parce que ce que ton mari est, ce sera, voilà, c'est exactement ça. C'est pourquoi les gens ne vont jamais comprendre. Dans un couple où le mari est comblé, la femme est comblée automatiquement. Beaucoup, les gens à l'extérieur disent que mais, ça c'est quoi la sorcellerie, c'est quoi cette histoire que comment le monsieur s'est tué avec sa femme, parce que c'est tout l'homme qu'on accuse, parce qu'on dit que c'est tout la femme qui amène l'homme là à la sorcellerie. On dit que non, comment l'homme, si
il se comporte comme ça, vraiment, il est toujours, oh, il est ceci, il est cela. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre, c'est trop difficile pour eux, c'est trop élevé. C'est trop élevé pour eux, ils ne peuvent pas comprendre. Une femme, qu'est-ce qu'elle ne peut pas obtenir? Oh Seigneur. On dit que ses enfants, dès leur lever, la disent bienheureuse et son mari fait son éloge. Il y a bien des filles qui montrent leur valeur. Mais toi, tu les surpasses tous, toutes. La grâce est décevante et la beauté fugace. Ça veut dire que ce sont les choses qui peuvent disparaître. La femme qui révèle l'Éternel est digne de louange. Donc, c'est pour dire, la femme qui a le comportement qu'on a décrit là, c'est en fait celle qui révèle l'Éternel. Voilà. Donc, quand une femme veut montrer qu'elle a vraiment de l'amour pour Dieu, voilà le comportement qu'elle devrait afficher. La femme qui veut montrer qu'elle aime vraiment Dieu, voilà le comportement qu'elle devrait afficher. Donnez-lui donc le fruit de son travail. Qu'on dise ses louanges aux portes de la ville pour tout ce qu'elle fait. La Bible déclare que celui qui trouve la femme a trouvé le bonheur. C'est pas un jeu, c'est pas juste un proverbe, un adage, c'est une réalité. Quand tu trouves la femme, tu as trouvé le bonheur. Oui, c'est ça. Quand tu trouves la femme, tu as trouvé le bonheur. Tu es béni. Tu rends grâce à Dieu. Amen.